La huitième journée de Fédéral 3 a souri aux rugbymen dorés ici en bleu face à Parthenay ce dimanche. Si les visiteurs ouvrent le score sur une pénalité, leur avance sera de courte durée car avant la pause, le RAC marque un essai transformé et une pénalité. En deuxième période, Auray creuse l'écart avec un nouvel essai. Score final 21-6 pour les Morbihanais. On a eu beaucoup de mal à mettre notre jeu en place par rapport à d'habitude et donc on a un peu balbutié notre rugby. Mais bon, on a quand même eu beaucoup d'occasions d'essais. On marque deux essais, on ne prend pas le point de bonus, mais la victoire est quand même là. Et ça, c'était important de faire notre quatrième victoire d'affilée. Et là, c'est par rapport à ça. On revient dans le milieu du classement et c'est important avant les fêtes. Après quatre défaites et autant de victoires, Auray avance vers le maintien. Sur la phase retour, le RAC ambitionne même de viser la quatrième place. Les ambitions, c'est d'abord le maintien, après accrocher une cinquième, sixième place pour la quatrième. Et là, on va d'abord voir un peu comment ça évolue. Parce que c'est vrai qu'on gagne quatre fois d'affilée, mais là, quand je vois le calendrier aussi qui nous attend au match retour, ça va être compliqué aussi. Pour le dernier match de la phase aller, Auray se rend à La Roche-sur-Yon dimanche prochain.